Donc là, il faut vraiment jouer avec la barre d'espacement, la roulette, pour ne pas devoir quitter l'outil pinceau. Hein. Vous n'utilisez pas ceci, hein. La main dans la palette des outils et la loupe. Vous n'allez pas les enclencher, vous utilisez les raccourcis Alt roulette, à condition que la roulette de la souris fonctionne, et barre d'espacement. À propos des souris, il n'est pas interdit du tout d'amener vos propres souris et les connecter. En général, des souris pour PC fonctionnent bien. Et les souris pour Mac, c'est pas génial. Donc n'hésitez pas, amenez vos souris de PC, connectez-les à l'ordinateur. Ok. Alors ça prend un peu de temps parce que c'est une image difficile. Hein. C'est pas toujours aussi difficile que ça. Et je peux vous garantir que le résultat est meilleur que ce qu'on aurait obtenu à la baguette magique quand même. Hein. Parce qu'il y a des subtilités. Cette technique qu'on vient de voir ici fonctionne également quand vous avez des objets à bord flou. Ça existe, des objets à bord flou. Très facilement, vous allez pouvoir supprimer le fond et garder le flou sur le bord des objets. Est-ce que ça va? Tout roule? Bon, faut pas être perfectionniste, c'est le résultat qui compte, je veux dire, globalement. Les gens ont une vue globale des images. Une vue d'ensemble. Ils ne regardent pas trop le détail, les gens. Et même les infographistes, ils voient les images d'une manière globale. Je dis ça parce qu'on voit régulièrement des problèmes dans les magazines, des trucages photos, des gens qui se retrouvent avec trois jambes. Ça vous dit quelque chose? Vous avez déjà vu ça? Des erreurs dans les magazines? Alors que l'infographiste a travaillé pendant quelques minutes sur le projet, bizarrement, il n'a pas vu qu'il a laissé une jambe. Parce qu'il a une vue d'ensemble sur l'image, en fait. Il faut toujours trouver le bon rapport entre la quantité d'énergie qu'on met dans l'image et le résultat auprès du public. On passe pas 3 heures sur une image pour laquelle vous êtes payé 20 euros pour la faire, quoi. Bon, très bon exercice quand même. Vous voyez, je fais ça rapidement, hein. Je ne suis pas dans le détail.